Bonjour à tous, bienvenue encore et encore dans nos enseignements de la Torah extraordinaire du Rav Kook. Et là, je voudrais qu'on prenne deux secondes. Vous savez, quand on pense au Rav Kook, si déjà on le connaît, normalement tout le monde le connaît maintenant, on sait que c'est quelqu'un qui est un des plus grands penseurs du peuple juif. Mais on ne se rappelle pas toujours que ça a été aussi un des plus grands possèques de l'histoire du peuple d'Israël. On ne le connaît pas pour ça. Et pourtant, je vous rappelle que le Rav Kook a quand même mis en place l'institution énorme qui s'appelle Halakha Berura. Halakha Berura, c'est un truc de malade. C'est la volonté de prendre toutes les sougyotes du Talmud et de les rattacher directement à la Halakha. C'est un travail qu'il a commencé, qui sera terminé après sa mort, évidemment. Donc, c'est un grand possèque de Halakha. Il a écrit énormément de livres de Halakha. Dans ces livres de Halakha, il y a un livre de questions-réponses, un shoot, qui s'appelle « She'elot u'tshuvot orach mishpat ». Et là-bas, eh bien, il fait référence à un vrai problème. Et je pense que c'est d'ailleurs un vrai problème de société actuellement. La question de la chumra. La question de toujours vouloir en faire plus, mettre des barrières. Mettre des barrières parce que j'ai peur de tomber, j'ai peur de faire des avérotes, je ne veux pas faire d'avérotes. Est-ce que c'est une bonne chose de sans cesse mettre des barrières? Alors, dans quelles circonstances le Rav Kook parle? Eh bien, à son époque, il y a un homme, je ne connais pas le nom, qui a réussi à inventer une machine avec laquelle il a pu extraire de l'huile de sésame. Ça n'existait pas avant. Et donc, une fois qu'il est arrivé avec sa machine, il a été voir le Rav Kook et lui dit, voilà, c'était un juif, il dit, j'aimerais que vous me donniez une théoudat kashrout pour Pessah, pour mon huile de sésame. Et le Rav Kook lui a donné. À ce moment-là, tous les rabbins de Jérusalem, car le Rav Kook à ce moment-là était rabbin à Yafo et au Moshavot, au village qui était sur le littoral, et bien tous les rabbins de Jérusalem ils sont tombés dessus en disant « Mais comment tu peux dire ça? Ce sont des kitniotes !» Oui, alors, je vous explique. Si nos auditeurs sont séfarades, eh bien sachez que pour les Ashkenazim, la chose la plus importante de Pessah, c'est les kitniotes. Quoi qu'il en soit, et on dit « Ah, c'est les kitniotes, c'est les kitniotes !» Alors, le Rav Kook a répondu dans une lettre en disant « Mais non, c'est pas des kitniotes !» Et il leur a expliqué pourquoi c'est pas des kitniotes. Bah, parce que, un, l'huile de sésame n'existait pas avant, donc elle n'a pas pu être à l'époque de la xéra des kitniotes. Deux, parce que le sésame en soi, il donne toute une liste d'arguments pourquoi c'est pas kitniotes. Et ça va s'étendre sur plusieurs lettres. La dernière lettre envoyée par les rabbins de Jérusalem disent au Rav Kook « Écoute, ok, tu nous as bien répondu, on n'a plus de contre-arguments, ok, on n'a rien à dire, mais ça sera quand même assour. Pourquoi ? Kara. » Et là, le Rav Kook sort entre guillemets de ses gonds et dit « Bon, là, il va falloir mettre un petit peu les points sur les i. » Le Rav Kook s'intéresse donc à cette tendance de vouloir sans cesse mettre des chumrot, de mettre des barrières encore plus importantes tous les jours. C'est quelque chose qu'on vit dans notre société. Comprenons bien deux secondes. On va faire un schéma très très rapide pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et il se dévoile dans son monde par plein de moyens. Il y a des moyens dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'attache à lui. C'est le bien, c'est la Torah. Et il y a des moyens qui sont aussi des dévoilements de Dieu par lesquels Dieu ne veut pas qu'on s'attache. Les choses qui ne nous font pas plaisir, le mal, les avérotes, c'est aussi Dieu. Ah, et Dieu, c'est le patron du monde entier. On dit dans la tefila le matin, Adon Olam Asher Malach. Tout ce qui se passe dans ce monde dépend de lui. Que ce soit le bien, ça ne nous pose pas de problème, mais également le pas bien. Je vous rappelle que qui a créé le mal, c'est Dieu. Yotzer Or Ubore Rocher, ça c'est ce qu'on dit dans la tefila. Dans le passou qui a marqué Yotzer Or Ubore Ra, Ani Hashem Osekol Ele. C'est-à-dire que Dieu, il est présent partout. Seulement, il nous a demandé de le dévoiler seulement à certains niveaux. Le bien. Donc ça veut dire que la ligne qui sépare le bien et le mal, c'est également la ligne qui sépare là je peux trouver Dieu et là je peux pas trouver Dieu. C'est pas qu'il y ait pas, c'est que moi l'être humain, je peux pas le trouver là-bas. On est d'accord là-dessus ? Yofi. Maintenant, la ligne elle est là. Ok, on va prendre un schéma, on a une feuille ici. Disons que la ligne elle est là. Tout ce côté-là, c'est là où je peux dévoiler Dieu. Tout ce côté-là, c'est là où je peux pas dévoiler Dieu. Faire une chumra, c'est prendre cette ligne et la mettre là. C'est-à-dire que j'ai augmenté la partie interdite. En d'autres termes, j'ai limité la partie où je pouvais dévoiler Dieu. Vous comprenez ? C'est ça que ça fait la chumra. La chumra limite
l'endroit, entre guillemets, où je peux dévoiler Dieu. La Koula, qui est évidemment, je parle de quelque chose qui serait basé uniquement sur la Torah, une Koula, c'est-à-dire une permission, mais qui prend ses sources dans la loi juive, bien évidemment. Personne n'a dit qu'on avait le droit de faire des avérotes. Mais une Koula, c'est-à-dire mettre la ligne le plus loin possible, c'est-à-dire dévoiler Dieu au maximum de ce que la loi nous permet. Le Rav Kook nous dit, la tendance de ces gens qui veulent mettre des chumron toutes les 5 minutes, elle vient de quelque part. Il a des mots très très durs. Alors je préfère vous le dire sans détour. Me dit le Rav Kook, ve'aikar anetia le chumrot yeterot. Et cette tendance à vouloir tout le temps les achmir. Alors qu'il y a des chemins, d'après la Torah, encore une fois, je mets l'accent, d'après la Torah, il y a des chemins où on pourrait permettre. Nous dit le Rav Kook, ce n'est absolument pas une preuve de piété. Ce n'est pas une preuve de piété que de mettre des barrières là où la Torah, elle met des permissions. Alors quoi ? Pourquoi ils font ça ? Rav Kook nous explique. C'est pas moi qui le dis, nous dit le Rav Kook. Bon, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, le Rav Fizon, c'est le Rav Kook. Mais le Rav Kook, il dit, c'est pas moi, c'est Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Il a déjà dit ça. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Ben, il dit, les gens qui mettent des chumrot, ce sont les gens qui se sont éloignés de l'étude de la Kabbalah. Ce sont les gens qui se sont éloignés de l'étude de la profondeur de la Torah. En d'autres termes, ils n'étudient pas ce qu'on appelle Etz Chaim. Ils n'étudient que Etz Hadaat Tov Vara. D'après l'enseignement du Harizal, Etz Chaim, c'est la Torah profonde, interne, la Kabbalah. Etz Hadaat Tov Vara, c'est ce qui nous permet de savoir ce qui est bien et mal, savoir la halakha. Dit le Rav Kook, à force de ne pas étudier Etz Chaim et de n'étudier que Etz Hadaat, et là c'est une phrase terrible, mais ça vient pas du Rav Kook, ça vient de Rabbi Chaim Vital. Il dit, Akadosh Baruch Hu ne les aide pas, même dans leur étude de Etz Hadaat Tov Vara. Et ils se trompent dans leur compréhension de cette même Tov Vara et interdisent ce qui est permis et disent ce qui n'est pas kasher, ce qui est kasher, et ainsi de suite. En d'autres termes, le Rav Kook nous dit, ce qui est interdit, mais ce qui est permis doit être permis, parce que c'est le moyen qu'on a de dévoiler Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, comprenez-moi bien, ce que la Torah a interdit, mais nous a déjà dit le Talmud, Koach de'etera adif. Faut pas être un très grand rabbin pour dire, quand on nous pose une question de halakha, assour. N'importe quel rabbin débutant, il peut dire assour. Il faut être un grand rabbin pour être capable de dire moutard. Évidemment, si c'est moutard. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que le Rav Ovadia, le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, est un des plus grands possèques de l'univers ? Ben justement, grâce à sa grande capacité à permettre, on se rappelle de ce qu'il avait fait pour permettre les Agunot, ces femmes qui avaient perdu leur mari à la guerre. Rabbi Moshe Feinstein, un des plus grands possèques de la même génération, un tout petit peu avant, aux États-Unis, qui lui aussi était un des plus grands permissifs possibles. C'est de cela qu'on parle. Le Rav Kook, 100 ans avant eux, nous dit, à force de chumrer, eh bien les gens se détachent du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas ici de donner une permission de faire des avérotes, chas v'shalom, mais il s'agit de comprendre que ce que la Torah a dit, c'est moutard. Eh bien, vous savez quoi ? C'est moutard. À bientôt, les amis.